Eh bien, morning good people, c'est Pino, bienvenue dans le Pino Time. Je viens de réaliser. Non, pardon, on est en GVG contre Elite Family. On recommence pour la troisième fois cette intro. Ou deuxième fois, je ne sais plus. Venez le lundi, le mercredi, le jeudi soir à partir de 21h quand je suis pas en retard, mais je suis en retard. Donc venez un peu après 21h. Pas trop, pas genre 23h, tu vois, mais genre 21h. Je sais pas, un petit peu après, tu vois, histoire de. Mettez le pouce bleu, parce que maintenant vous êtes plein de me le dire aussi, tout ça, et je reçois même des MP. Mais dis, mets un pouce bleu, c'est cool de le dire, et tout ça. Bon, voilà. Je viens de réaliser qu'il y avait un problème avec mes Luchennes, avec mon Luchenne. Ce Luchenne-là. Ce Luchenne-là a 3 wheels, c'est improbable, c'est pas normal. J'ai fait un FRR, je vous jure que c'est vrai. J'ai quand même fait un FRR sur ce compte. Je ne comprends pas le concept de ma vie, là. C'est un délire. Pourquoi un Luchenne aussi nul en triple wheel? Enfin, en triple avec 3 runes en wheel. Genre, tu vas me dire que j'ai pas mieux autre part que ce genre de rune toute pétée, tu vois. C'est incroyable. Bref. Avant que je me rende compte que le Luchenne était malade et qu'il y avait un gros problème, et que d'ailleurs, au passage, vous avez tous vu, mais tous à 100%, vous avez vu. Non mais il a... Oh non, mais pourquoi vous l'avez tous attaqué? Je voulais faire lui en fait. Y'a pas quelqu'un d'autre qui a la même... Def... Il y a des trolls. Ouh! Vive mon prochain FR quoi. C'est pas grave, let's go. Oui, c'est pas grave, on s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche totalement. Je voulais Luchenne et truc. Le but c'est... Vas-y, lui là. On peut Luchenne et truc. Très bien. Voilà. Là on est sur du Luchenne. Ça marche ou pas? Est-ce qu'un Luchenne à 70 stock crit va marcher? 70 stock crit. Il est cassé le Luchenne, il est totalement cassé. Mais c'est pas grave, j'ai quand même envie d'essayer. La Megane est à peine plus rapide qu'avant, le Léo n'a jamais changé de toute façon. Bon, tout ça a changé, mais vous le verrez. On en fera une vidéo et tout quoi, c'est pas grave, let's go. Ouais, je sais, j'échoue, mais là je réfléchis juste en bas, je crois que j'arrive pas à tomber une. On lance quand même, c'est pas grave. Je pense que j'ai vraiment fait beaucoup de conneries sur mon compte finalement. Plus que ce que j'imaginais. Ok, on est très rapide, dis donc. Wow. Je crois que j'avais même pas besoin de faire le 3 de Tiana. Hein. Tant que le break dev passe partout, le reste, on s'en fout. Je crois qu'on est G1, Tripsy. On va vérifier, mais je crois qu'on est G1 quoi. Là, il y a un gros problème. Attends, si je baisse là, j'ai un tour à vide qui est très dangereux. Du coup, si je le ralentis d'un tour, je perds juste Galion. Donc on va faire ça pour perdre que Galion. On s'en fout, ça dégage. Ça, on met un break def. Ok. Ah, il a proc pour revenir à ce point-là? Bon, là, j'ai perdu par contre. Je vois pas comment je peux revenir là. Hutch! Dommage. Oh! C'était nimp. C'était vraiment n'importe quoi. Allez, combien fait un Luchenne?
Waouh. Ah, on s'en fout de perdre les Lucchennes maintenant, c'est vrai. On va faire ça. Théo dégage. le concept du je te défonce. Hein, c'est fort, hein. Théo Mars. Aïe, 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 aïe. Je te prends la tête, je te défonce comme il se doit. Hein. On connaît Théo. Théo la crapule. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Ça dégage là. Non, toujours pas. Waouh. Je peux jouer ou pas en vrai? Non, en vrai, je peux jouer ou pas? Non, mais là c'est trop, là c'est trop. Là c'est trop pour moi là. Merci. Merci beaucoup. Oh là 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 là, faut se détendre. On repasse devant. Allez, voilà. Oh, j'ai un vidéo. Ah, non mais c'était possible, hein. C'était possible carrément. Avec les runages que j'ai fait qui sont vraiment approximatifs, là on n'est pas loin d'un possible. Ok, on a deux verres, du coup on va aller faire les verres. J'ai pas trop envie mais voilà. J'ai pas trop envie de faire les verres mais on va quand même les faire. En bas on va faire. On va faire Zyros. Est-ce qu'on est lucky jusqu'au bout et genre on tente un truc comme ça, tu vois. Genre est-ce qu'on tenterait pas un truc comme ça? On fait un S3, ça reset. Alors qu'il y a un leader skill de reste, mais tout va bien. On le fait quand même. Et en haut, ça c'est quoi en haut? À part Lucchen. Est-ce que ça se qualifie Chloé? Ah oui, non, ça c'est normal. Oui, oui, c'est vrai. Du coup, on va pas faire Cali, non. On oublie. Qu'est-ce qu'on ferait? Je sais pas trop ce qu'on pourrait faire en haut. J'aimerais bien faire un truc rigolo, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de rigolo? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de rigolo qui fait que quand on va jouer, personne n'est prêt, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Que même moi, quand je vais jouer, je fasse oh, mais attends, j'étais pas du tout prêt à ce que tu fasses un truc comme ça. C'est incroyable. C'est vraiment pété ce jeu. Copper Buldo, si ton ennemi est fast. Et mon ennemi City est grave fast. Pas du tout. Mais vas-y, on essaye. Je sors quoi en premier? Je sors ça. Ouais, on va sortir ça. On va faire Buldo. Buldo Copper. Where is Copper? Ici. Leader skill de death. Je pense passer devant. Bon, attends. Je crois que c'est lui qui a le set un peu plus rapide. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ils sont ruinés. Oui, merci. Merci. Oui, ils sont ruinés. Et en bas, on tente le Zyros kit lead res. Ok? C'est pas grave. Normalement, il n'y a pas de leader skill de vitesse. Je pense être plus rapide qu'Iris. De justesse. Totale justesse. Rien à voir. Mais on est quand même plus rapide. Ok. Donc là, on fait ça. On claque la Iris. C'est l'idée. Il n'y a plus de strip. Du coup, on est bien, tu vois. Ok. Revenge style. Plutôt normal. Ok. Tout, jusque-là, tout va bien. On claque le Feng immédiatement à 40k HP, c'est normal. On arrive à placer un slow, on contrôle l'ATB une nouvelle fois, très bien. Un stun. Non, on avait dit stun. Nice. On contrôle l'ATB. Très bien, mon ami. On contrôle l'ATB. Très bien. J'ai cru lire un résist finalement. Stun. Pas de stun. Stun. Et là, vous dites... Il n'a pas skill up son 3 parce qu'il aurait pu quand même faire son attaque précédemment. C'est bizarre de réagir comme ça. Et vous avez raison, je n'ai pas skill up en Emizeti, ok? Alors arrêtez. Petit slow. Stun. Ok, contrôle ATB. Nice. Skill 3. Over. Hein. Ça derp souvent à cause de la jeune. Totalement, totalement. Mais on est lucky, donc on essaye, ok? Ok, là il y a du shield. Donc à mon avis, j'ai bien fait parce que c'est peut-être pas si tanky que ça, vu qu'il y a du shield. Ok. Qui nous embête le plus dans l'histoire? Je dirais que c'est Jeanne. Qui doit être reset? Absolument, je dirais Perna et Jeanne. Sinon, on a perdu. Donc, je vais mettre pause pour voir si on arrive à bien reset.
résiste, résiste, reset. Et il meurt, donc on a une chance. S'il meurt, on a une chance. Hein. Ok, cool. Il faut tuer la Jeanne sur un 2, vu qu'on a une Tiana qui est quand même très agressive. Tout est possible, surtout avec les points de vue qu'on a réussi à enlever. Vas-y, Tiana, fais... régale-moi. C'est ce cas, ça devrait suffire. Ok, cool. Lui ne proc pas. Ça proc jamais, cela. Si. Si, ça proc tout le temps. Je crois que le 1 fait plus de dégâts que le 2, là. Je viens de faire une erreur. Normalement, j'aurais dû faire le 1, et c'était cool. Le reset est passé sur Perna uniquement. D'ailleurs, ça fait flipper, mais uniquement, en tout cas, c'est dommage. Ok, on a invisible. Invisible. On va pas pousser la chance. Hein. On va clairement pas pousser la chance. Ici, on pourrait faire ça. Hein, parce que du coup, elle est re-rentrée dans la compo. Hein, dans mes teams les plus utilisées. Voilà, voilà, voilà. Vous avez vu à peu près les teams. Celle-là marche de moins en moins à cause du nombre de strips qui sont présents maintenant en def. Et le nombre d'iris. Hein, les iris contre ça, c'est l'horreur. Ici, je pense que si on fait ça et qu'on fait un. Genre, on fait un 3 là. Et après, genre, Buldo, il vient, il tape là. On peut gagner. C'est un peu... S'il croit qu'on a perdu, tu vois, c'est ça qui m'embête le plus. Ou alors, on fait Jamir, Konamiya. Jamir, Konamiya, Lucien. Et genre, on vient... Et on vient Jamir, Konamiya, Lucien, tu vois. Genre, ça peut être bien, en vrai. Mais on a perdu Lucien... On a perdu Lucien Mito. Lui, c'est Georges, le Lucien Mito. Donc, du coup, on devrait faire avec un Lucien... Lucien, genre non, bah non, on va pas Lucien en fait, parce que ça marche pas. Là, vous le voyez bien, ça ne marche pas du tout. Ok, voilà. You're happy. Ouais, j'ai Bolverk, ouais. Ouais, ouais, j'ai Bolverk. Si tu veux, on peut mettre Bolverk, quoi. Ouais, le 1 fait beaucoup plus de dégâts. Ouais. En plus, j'ai l'impression, honnêtement, hein, je vais pas faire le mytho, mais j'ai l'impression que le 1 crit, le 1 d'Aeros crit beaucoup plus que le 2. Hein, clairement, bah, largement plus de toute façon. Mais quand il crit, genre, le chiffre, il est vraiment vénère. Ouais. En vrai, là, je suis un peu bloqué, donc on va faire quoi? Contre en haut, c'est fort, Bolverk. On fait quoi, Bolverk Molong? Vas-y, on fait un Bolverk Molong. Ça, est-ce qu'elle est ruinée? Oh, elle a été nerve de ouf, mais bon, tant pis. On va faire ça. Genre, on claque ça en premier et après, on a le temps. Et en bas... Non, il nous faut du fun, tu vois. Il nous faut du fun, genre. Ah, qu'est-ce qui est fun? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui est vraiment fun, quoi? Genre, Moustalution. Genre, Moustalution. Oh oui. Un truc vraiment rigolo. Enfin, rigolo. Non, je m'entends, quoi. Mais pourquoi je vais poser des runes? Bonjour, le covenant le plus ridicule de la Terre. Tiding. S'il est bien ruiné. Il y a un lead HP. Ouais, c'est vrai. Non, je pense que là... Ça devrait aller. Après, on pourrait Isabelle, en vrai. On pourrait Isabelle et genre, on sort, tu vois. Vas-y, attends. Bol, jusque-là, jusque-là. On va faire Galion. Tiana, Isabelle. Et on va essayer de voir si mes propos tiennent la route. On sort Skogul. Ensuite, on sort lui. Et normalement, on aura eu pile le temps de faire quelque chose. Et là, en bas, on va faire... Qu'est-ce qu'on pourrait faire de rigolo? Ophélia, ce serait rigolo, mais c'est pas le bon ruinage. Comme je vous ai dit, j'ai mis des ruinages un peu partout. Et en fait, non, dans les deux modes. Et en fait, j'ai inversé à plusieurs moments, donc... Ça m'a totalement mis dedans. Totalement mis dedans. On pourrait faire ici, en fait, là. Regarde, juste ça. Avec, mettons, ça. Tu sors Molong, tu sors Molong ou ça, il n'y a plus rien. Donc on peut tenter, quoi. Elle passe, non, je nerf Vela. Donc je pense pas. Hop, donc là, le but, c'est juste de sortir Skogul.
Bon, bah là. Bon, bah là. Bon, bah là, y a pas de détails, hein. La loose, hein. C'est totalement impossible de survivre à un truc comme ça. Est-ce que mon 1 peut tuer un Woussa? On tente. Mon 1 tue un Woussa, mon 1 tue pas un Bolverk et on perd. Ah non, ça va. Ah, si on proc là, genre c'est gagné, tu vois. Ah, il est en vampire! Bon, là c'est loose. Là c'est loose! On peut pas gagner contre ça. Hein. Clairement pas gagner du tout contre ça. Yop, Lalo, ça va mon chou? Oh, ça joue tout le temps, je sais plus. C'est l'enfer. S'il n'y a pas de Bolong, il peut pas gagner. Franchement, c'est dommage quoi, le break def qui passe pas quoi. Elle a pas kill. Ouais, elle a pas kill, mais je m'y attendais un tout petit peu. C'est pour ça que je pensais plutôt sortir Skogul. Là, le fait de pas pouvoir sortir Skogul, du coup, ça me met totalement dedans en fait. Le seul qui devait se manger un break def, c'était lui. Et le seul qui devait mourir, c'était lui. Les deux autres, je m'en foutais un petit peu. Parce que sur le long terme, je pouvais m'en sortir. Là, on est plutôt dans un côté où le break def est pas passé, du coup c'est vraiment bah, c'est vraiment dur quoi en fait. En vrai, je peux pas quoi. Je peux rivaliser à plein de choses, mais là, je peux pas faire un... elle va faire quoi? Non, on s'en fout. On va faire ça, on va faire ça encore. Du coup, la Jeanne sort. On a eu un peu de chance là, le proc là, il est arrivé. Oh là là, mon Dieu, mais c'est quoi ce proc? Ok, un contrôle ATB, très bien. Ok, le break def. Nice. Proc encore, mais c'est incroyable! Trop de proc, tu le proc, hein! Ok, le shield, ça me va. Nice. Il meurt une fois. Cool. Break def. Ok. Invincibilité. Bah, d'habitude. D'habitude, le Skogul, je pose quand même le break def. Je rencontre très rarement un Skogul qui résiste à un break def. Quand je fais cette compo, parce qu'il y a la seule grosse menace, par exemple, c'est Skogul d'habitude. Dans tout ce qu'on fait, d'habitude, le Skogul prend le break def. Et c'est plutôt lui ou lui qui va pas prendre le break def. Mais c'est ce qu'il y a d'habitude. J'utilise un Galion qui est à 100% précis, donc je suis pas habitué à pas poser le break def sur le monstre qui m'intéresse, tu vois. J'utilise ce Galion-là. Donc du coup, je veux poser le break def. Et derrière, là, Isabelle, elle vient mettre son 52K, du coup, généralement, il y a beaucoup de monstres qui sautent. Et là, il y avait du shield, si je me rappelle bien, donc du coup, je pense qu'on n'aurait pas eu de difficulté à sortir le Skogul. Ou si on ne le tuait pas, je pense que derrière le 2 de Tiana me permettait de sortir un Skogul, tu vois. Dans l'idée, en tout cas, c'était ça. Mais bon, de toute façon, ça a derp, je pourrais jamais le savoir. On met 52K, je crois, avec Isabelle, hein. Et j'ai mes totems qui sont pas maxés, donc... Ça tient la route, hein. Isabelle est où? Il me semble que c'est ça, on met 52K. On peut pas vérifier? Où est-ce qu'on peut vérifier? Genre, un tribunal d'instruction? Genre, très bien ça, étage 91, on est content, voilà. Et genre, on met Galion Isabelle. Juste, tac, Galion Isabelle. C'est juste pour voir ce que ça fait. Voilà, on n'a pas de marque et tout, on s'en fout, hein, totalement. K, on est en normal, donc on doit bien être aux alentours des 52K, c'est ça. On est en TOA normal, je crois, donc... Et le 1 met 29K, ouais, ça correspond à peu près à ça, 21K en GVG, généralement, sur les monstres classiques, quoi.
Et y a pas les flags, ouais. Mais je mets pas 60K. En GVG, c'est pas possible que je mette un 60K. C'est rare en tout cas que ça va. Ou alors ça va être sur des monstres qui sont plutôt faibles au niveau défense. Mais là, moi, Isabelle, généralement, je la sors contre des personnes qui sont plutôt tanky. J'aime bien aller essayer de claquer des Molong. Lead Molong, j'aime bien sortir Isabelle. Surtout quand il n'y a pas des Ledriel à côté ou machin. J'aime bien faire ça, tu vois. Mais sinon, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, sur un Lucian, tu fais ça. Sur un Perna, sur. Sur tout ce qui va être Etna, machin, tout ça, ça marche, mais tu sors le monstre, après, tu t'es quand même en difficulté s'il y a une Lorraine, s'il y a des trucs, donc c'est pas si drôle que ça, finalement. Ok, là-haut, ici, pardon, tu peux t'abonner, il y a le petit bouton pour t'abonner. Là-bas, je suis pas dans l'inverse, je suis pas inversé, je vérifie à chaque fois, parce que je sais pas. Là-bas, il y a d'autres vidéos, tu cliques dessus, tu fais « Waouh !» Du divertissement Summoner's War, c'est incroyable, j'adore, je clique. Et puis tu mets ton pouce bleu et tu t'abonnes, tout ça, si ça te fait plaisir, bien entendu, je ne force rien, rien du tout. Voilà, en tout cas, je m'arrête là-dessus pour cette GVG qui était rigolote. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, ciao, ciao.